She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Hello, hello, bonjour la famille. J'ose croire que vous portez bien ce matin. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur votre page Buzz pour Mars. Faut vous parler qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réel. Ici, nous sommes spécialisés dans le Bénin et le Japon des stars en Afrique et de par le monde entier. Et une fois de plus, nous allons revenir au continent parce qu'hier a eu lieu l'anniversaire de la célèbre actrice camerounaise Emmy Basson alias Mamana Range Rover, Mamana 7 Restaurant. Il faut noter que Emmy a commencé nous tous on a vu là. Petit à petit elle a commencé à grandir à travers Madame Monsieur qui était la série même qu'il a vraiment lancée. Après c'est elle a décidé d'ouvrir ses restaurants. On a vu comment elle gère ça. On voit comment elle se met vraiment à fond dans ces restaurants là. Après African Food et African Grill à Douala, elle a décidé donc de venir ouvrir également la même chose mais un plus grand ici à Yaoundé au niveau de Longkak. Elle s'y donne à fond. Chaque jour, elle met des projets. Sa maison de production est là. J'ai jamais vu une femme aussi dévouée dans ses projets que Amy. Franchement, parmi toutes les influenceuses là, non. Elle est vraiment la meilleure. Elle est dans le top du management et j'apprécie vraiment pas ça de sa part. On sent vraiment d'une femme qui est dans la souffrance pour arriver à ce niveau-là. Hier donc, elle a mobilisé l'attention de tout le pays. Je dis bien tout le pays. Elle a envahi Facebook, tous les réseaux même. Et que tu hostais seulement joyeux anniversaire maman Amy, joyeux anniversaire maman Amy. Et ça faisait vraiment chaud au cœur de savoir qu'elle est tellement aimée. Ouais, comme j'ai dit, et je le redis encore, c'est l'influenceuse la plus aimée du Cameroun. Pour ça, j'ai confirmé qu'il n'y a pas de... On peut aimer quelqu'un comme ça, Adama. Et comme elle a même encore annoncé ça avec sa grossesse, la tête enceinte, vous savez qu'il y avait quoi les doutes, les suspicions, les gens disaient « Ouais, elle est enceinte. » Mais c'était le secret le mieux gardé du showbiz. Tout le monde, tout son entourage connaissait qu'elle était enceinte. Personne n'a vendu la mèche. Pas comme les autres influenceurs qui sont guédés, qui sont seulement... Il y a ces mêmes news dans leur vie. Leur entourage vend la mèche, parfois même les employés et tout. Mais elle, j'ai été surpris. Personne n'a vendu la mèche là. Jusqu'à hier qu'elle a dévoilé sa grossesse, tout le monde était stupéfait. Qui n'a pas publié les belles photos du shooting que vous pouvez voir à l'écran ici là. Tout le monde a publié ça. C'est tellement beau à voir. Oh, tellement belle, tellement resplendissant dans sa grossesse. On n'imaginait pas, on n'espérait pas mieux. La belle famille l'a publié parce qu'elle a également beaucoup d'amis dans la belle famille. Vous vous rappelez, elle a participé dans la série. Je pense que je ne sais pas si ce sont les coups de la vie ou Impact, je ne sais pas là. Elle a pleuré hier. Regardez la surprise de ses employés. Les employés, vous connaissez comment les employés sont difficiles. Les employés qui font ce genre de surprise. Un bouquet d'argent, un gâteau d'anniversaire et tout ça là. C'était tellement beau. Apparemment, il y a beaucoup de rumeurs qui disaient que Amy Dani, non, c'est la meilleure patronne, c'est la meilleure boss lady. Elle crée tellement bien ses employés. Oh, les aides tout le temps, les cadeaux de fin d'année, les voyages pour Dubaï pour les meilleurs. C'est vrai. Dernièrement, on a envoyé 7 de ses employés à Dubaï. Comment ces restaurants ne vont pas marcher? Tout le monde qu'elle a fait avec le cœur, ça donne vraiment envie. Avec le cœur, quand tu es un bon boss, non? Quand tu as un bon boss, ça donne envie de travailler. Pas les boss hautains qu'on a ici dans les bureaux qui se prennent, je ne sais même pas quoi. C'est parce qu'elle aussi, elle a souffert, elle connaît la souffrance. Non, ce n'est même pas ça. C'est d'abord parce qu'elle a un bon cas à la base. Parce qu'il y a même d'autres qui connaissent la souffrance, dès qu'ils brisent, non. Ils se mettent à crêter les autres comme n'importe quoi. Pour ça, maman a mis chapeau. Comme Marcel Kuechi a dit, hier c'était vraiment la journée internationale Amy Dani Basson. Tu es aimé. Et ça me confirme non, que tu es vraiment la première dame, la meilleure influenceuse du Cameroun, c'est toi. Non, après toi, c'est le virage. On peut aimer une personne comme ça, non. Elle n'est pas dans les clashs, les buzz, ou bien se créer les ennemis et tout, et tout, et tout. Même son père, Ebenezer, qu'on pensait qu'ils avaient le problème là. Ebenezer l'a publié, il était tellement beau à voir. Félicitations à toi, Amy. Tu mérites vraiment tout le succès. Elle a dit que son but, c'est d'ouvrir African Food dans toutes les 10 régions du pays. Et je sais qu'elle va arriver. Quand tu es bonne, quand tu mets Dieu dedans, non, ça ne peut que marcher. Donc, c'est un peu ça. C'est très beau. Continue comme ça, la mère.
Bon, la famille, c'était juste mon point de vue par rapport à cet anniversaire qui a fait le buzz hier. Merci à tous ceux qui sont abonnés à notre page, qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage, les meilleurs. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.